Non. Pourquoi? Sur la pile. Voilà, c'est parti. Tu parles de rugby ? Pour ce premier volet 4x60. Alors, semble-t-il, une équipe du Charron Maritime avec une équipe des Deux-Sèvres à la sortie du Véral. Légère chute, grand favori. Alors, Charron Maritime. Charron Maritime, équipe 2. Non, équipe 1, pardon. Et du coup, ils ont pris les deux. Et je me souviens, il y a même pas un chef de carte. Il valide ou pas valide? Alors, avantage, semble-t-il, la Charente Maritime. Équipe 3. À la sortie de virage au couloir 4. Et dans la Charente, équipe 1. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. C'est le Stade Liberté. Ah, c'est plus le Stade Liberté. Voilà. Oui,
Voilà, la S17 devant l'athlétisme de la Coire. Un très bon départ, semble-t-il, de l'athlétisme sub-17. Alors, La Rochelle. Voilà, on y est synthétique sur La Rochelle, mais attention, c'est pas fini. Voilà, La Rochelle, 5, Cognac. Alors, en extérieur, c'est le stade Murphy qui semble avoir une légère avance. Alors, stade Murphy, Grand Angoulême, Charente-Maritime. Voilà, donc une coupe va être mise au niveau départemental pour cette équipe de Charente-Maritime. 12 points. Les deux Sèvres et première équipe avec 790 points, la Charente-Maritime. Voilà, profitez. Merci pour les différents intervenants officiels, non officiels, de nous avoir permis de pouvoir réaliser.